que les faits le montrent, que effectivement, des personnes ici encore vivantes en Belgique sont responsables de l'assassinat de Lumumba. Alors, sur la vérité judiciaire, comme l'a dit Alou, il y a une plainte qui a été déposée par la famille. Là, si je ne me trompe pas, la plainte a été déposée déjà en 2011, donc ça fait plus de 10 ans qu'elle est en cours. Ça veut dire que c'est énorme. Quand elle a été déposée en 2011, elle a été déposée contre 10 personnes. Actuellement, sur ces 10 personnes, il reste 2 personnes encore vivantes. Et parmi ces 2 personnes, on a Étienne Davignon, qui est un homme qui a été envoyé au Congo pour combattre Lumumba et l'opposition à l'indépendance, et pour combattre ceux qui voulaient l'indépendance, qui a joué un rôle énorme dans son assassinat et qui est donc actuellement poursuivi en justice. Et je reprends les termes, Étienne Davignon est poursuivi pour crime de guerre et pour traitement inhumain et dégradant à l'égard de Patrice Lumumba. Lumumba est assez connu aujourd'hui et de toute façon, il doit continuer à être connu. Mais il est important aussi de mettre en lumière qui a été Joseph Okito et qui ont été Maurice Mpolo. Je rappelle qu'ils ont été tous les deux assassinés parce que l'un a été pressenti pour être le nouveau chef d'état-major à la place donc du traître Mobutu et l'autre était pressenti pour être le nouveau chef du Parlement. Et donc, éliminer les trois ensemble, c'était veiller à ce qu'il n'y ait pas de continuité. Mais comme l'a dit Isabelle, c'est que on ne tue pas une lutte, on peut tuer des révolutionnaires, mais on ne tue pas la révolution. Un non-sens, c'est une honte, je dirais même c'est une honte pour un pays comme la Belgique d'avoir une attitude telle qu'elle a eue et telle qu'elle a encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'avoir des restes humains qui sont ici en Belgique et dont elle ne prend pas elle-même déjà l'initiative de les restituer. Non seulement elle ne prend pas l'initiative, mais non seulement, et ça c'est ce qu'on dit avec Intel, non seulement elle ne reconnaît pas sa responsabilité et elle n'entame pas non plus des démarches où elle s'excuse vis-à-vis de la famille de Lumumba, mais aussi de Okito et de Mpolo. Elle n'entame pas cette démarche, elle n'entame pas, elle pourrait organiser aussi une sorte de cérémonie qui viendrait à rendre hommage à ces héros. Alors, il n'y a pas que là-dedans, parce que, il faut aussi préciser une chose, c'est que le discours officiel du 30 juin se trouve ici en Belgique. Le discours original que Patrice Lumumba a fait, le papier original sur lequel il a mis des annotations, le papier qu'il tenait pendant le discours le 30 juin dans la salle, a été volé ce jour-là et a été ramené ici en Belgique. Et ce discours, ce papier officiel, se trouve toujours dans les archives de la BNP Paribas Fortis aujourd'hui, qui est l'une des filles de la Société Générale. Et donc, il est important aussi, ça c'est une pièce qui n'appartient pas à la Belgique, tout comme la dent, qui doivent impérativement être restituées au peuple congolais. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise de Panama d'Afrique. Merci de nous joindre dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora. Aujourd'hui, le thème de notre émission est Mpolo, Okito, Lumumba, victimes de crimes crapuleux. Ils étaient assassinés le 17 janvier 1961. Et jusqu'au 17 janvier 2001, ça sera 60 ans jour pour jour que ce crime crapuleux a eu lieu en République démocratique du Congo. Donc, je m'interroge sur quelques questions sur ce crime-là, le crime qui a eu lieu le 17 janvier 1961. Quel est votre état d'âme pour cette triste date? C'est très important pour les Congolais, les Africains et le monde entier qui a vécu ce drame. 60 ans de sang sépulcre pour les victimes, ni deuil pour la famille ou les familles en général, pour le Congo et l'Afrique tout entière. 60 ans sans avoir rendu le reste des victimes, pourquoi? 60 ans d'impunité, pourquoi le monde? 60 ans après cette barbarie, les archives ne sont toujours pas déclassifiées pour que le monde sache par le pays auteur, c'est-à-dire la Belgique et les États-Unis, du triple meurtre de ces patriotes congolais.
Toutes ces questions seront débattues avec mes invités, Aliou Bal de CMCLD et Isabelle Minon de Intal. Cette émission vous est présentée par Don Kayembe avec la rédaction de Yves Ledenou, Maurice Gligli-Amourin, tous deux en Belgique, et de votre serviteur Don Kayembe depuis New York City sur la voie de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Je disais donc que le 17 janvier 1961, au début de la nuit, l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba et les deux compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito sont exécutés par un peloton de gendarmerie armée katangaise commandé par un officier mercenaire belge en présence de plusieurs ministres du Katanga en sécession. Patrice Emery Lumumba, devenu Premier ministre du Congo le jour de l'indépendance, c'est-à-dire le 30 juin 1960, l'a été pendant 67 jours seulement avant d'être révoqué en septembre, puis assigné à résidence, arrêté ensuite et transféré enfin au Katanga pour y trouver la mort le soir même. Depuis ce jour, le Congo est plongé dans la néocolonie. Plusieurs cérémonies d'hommage seront organisées à travers le monde entier. La Belgique n'est pas en reste, donc Bruxelles, à Bruxelles, de demain dimanche 17 janvier 2001, une cérémonie d'hommage pour la mémoire, la dignité et la justice pour les trois hommes d'État crapuleusement assassinés. Et ce sera au Square Lumumba, à l'entrée du quartier Matongé à Bruxelles, et une autre cérémonie devant les Beaux-Arts. Avec mes invités, comme je l'ai dit, nous allons en parler. Donc, je présente d'abord mes invités. Première invitée, c'est Madame Isabelle Minon, est une jeune militante de Intel. Intel, c'est un mouvement de solidarité internationale qui défend la paix et le développement souverain. Intel aspire à un changement. C'est pourquoi Intel mobilise le plus grand nombre de personnes possible pour un monde juste et inclusif. Intel organise des formations et agit dans toutes les villes du pays, c'est-à-dire la Belgique. Le deuxième invité s'appelle M. Iliou Bald, est un membre du collectif Mémoire coloniale contre la discrimination, lutte contre la discrimination, je voulais dire. Une organisation basée en Belgique, il se charge de visites guidées et de la cellule espace public. Il n'est pas nouveau dans ce émission. On l'a reçue à deux reprises déjà. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, les téléspectateurs. Nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de ces crimes crapuleux. Vous êtes membre des organisations qui se battent pour la vérité et la réhabilitation de ces dignes fils tombés sous les balles des grandes puissances occidentales. Eu égard à votre jeune âge, qu'est-ce qui vous a animé à mener ce combat? Car au moment de fête, vous n'étiez que des jeunes, vous n'étiez même pas né. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes motivé à aller dans cette lutte? Ouais. Alors, une chose pour commencer, c'est, mais comme vous l'avez dit, donc c'est un crime, ce sont des crimes crapuleux qui ont eu lieu ce 17 janvier 1961. Et donc ça, c'est maintenant très bien connu par le monde entier. Donc c'est Lumumba, c'est Okito, c'est Mpolo, mais c'est aussi la population congolaise qui s'est battue pour son indépendance. Voilà, c'était trois grands héros incarnés, la population congolaise qui voulait ne plus être dominée, ne plus être exploitée, ne plus être maltraitée par l'État colonisateur, l'État belge. Il réclamait simplement l'égalité des droits. Il réclamait l'égalité des droits pour les Congolais. Et donc, moi, ce qui m'a animée dans ce militantisme pour rétablir la vérité sur ce personnage, Lumumba, mais aussi Okito Mpolo, et aussi la population congolaise qui voulait l'indépendance à l'époque, c'est d'une part la justice. La justice. C'est réclamer la justice, que justice soit faite, et qu'un pays comme le Congo, dont je suis aussi originaire, puisse avoir son indépendance, et son indépendance
C'est le respect de la souveraineté économique d'un pays, c'est le respect de la souveraineté politique du pays. Et donc de reconnaître que ce qui a été fait à l'époque était une atteinte aux droits de l'homme dont on parle actuellement. C'est une atteinte horrible. Et actuellement, le Congo est toujours aussi sous dépendance des puissances étrangères. Donc ce qui m'anime, c'est d'une part ce sont des personnes qui sont inspirantes dans notre combat actuellement, parce que le passé doit servir le présent. Et donc, ce qu'ils ont fait par le passé, c'est ce que nous devons, nous, maintenant, en tant que jeunes, mais aussi en tant que plus âgés, c'est poursuivre cette lutte. Poursuivre cette lutte en expliquant et en rétablissant la vérité sur ce qui s'est passé, sur cette volonté d'indépendance, mais aussi en réclamant à l'heure actuelle de la justice et le droit pour un État comme le Congo, mais aussi pour d'autres pays d'Afrique, parce que ça va plus loin. Lumumba, c'était quelqu'un qui était un vrai panafricaniste, qui réclamait aussi l'indépendance pour les autres pays d'Afrique, et donc c'est aussi de réclamer l'indépendance pour l'Afrique totale. Donc l'indépendance, c'est-à-dire ne pas être... dominer, ne pas être dicté, ne pas avoir une politique dictée par l'extérieur, notamment par la Belgique ou d'autres puissances étrangères. Donc ça, c'est voilà, ce qui m'anime, mais aussi, d'autre part, c'est le courage aussi. Le courage qu'ils ont eu en tant que homme, et quand je dis homme, je dis homme avec un grand H, donc c'est eux, mais c'est aussi toutes les personnes qui se sont battues à leur côté. Femmes également. Hommes et femmes, donc on a aussi... Pierre Moulélé qui a poursuivi après le combat de Lumumba, et la femme de Pierre Moulélé et d'autres femmes se sont battues sur le terrain pour l'indépendance du pays. Donc le courage qu'ils avaient est un courage qui nous sert actuellement, parce que la pensée dominante est très forte, et donc ça demande d'avoir du courage pour établir cette vérité, et donc ils sont inspirants. Et enfin, une autre chose aussi, c'est la loyauté qu'ils avaient. C'était des hommes intègres. Et actuellement, on peut constater en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, c'est le manque d'intégrité, le manque de loyauté d'hommes politiques. Et donc Lumumba et Okitompolo, mais aussi d'autres hommes qui se sont battus pour l'indépendance, et les femmes aussi, c'est cette intégrité, cette loyauté. Ils ne voulaient pas être corrompus, et ils voulaient continuer à se battre pour l'indépendance. Et ça doit nous inspirer aussi, c'est de rester sur notre combat et de dire, nous voulons continuer à nous battre pour ça, et nous n'allons pas accepter que cette pensée dominante, que cette pensée dominante nous demande de nous taire, nous demande d'une vérité qui n'est pas tout à fait la vérité qui est répandue par la pensée dominante. Donc voilà, okay. Ça c'est une demi-vérité. Une demi-vérité, et même parfois ça va au-delà d'une demi-vérité finalement. Parce que vous parlez de contre-vérité alors? Je parle de contre-vérité, contre-vérité. Quand on parle de la colonisation actuellement, la colonisation c'est quoi? C'est l'exploitation, c'est vraiment l'exploitation à outrance, l'exploitation d'une population. Ça a impliqué vraiment une armée qui est rentrée dans un pays, comme au Congo et dans d'autres pays d'Afrique, qui ont détruit un pays, qui ont tué des gens. Et donc aujourd'hui, actuellement, quand on parle qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation, replaçons dans la définition de ce qu'est la colonisation. Et donc oui, la contre-vérité, c'est que la colonisation ne peut pas avoir eu des bienfaits. La colonisation, c'est un système qui exploite. Donc on doit partir du principe, c'est un système qui a tué des gens. Et ça, c'est important de pouvoir, dans le débat, de dire on refuse cette colonisation. Donc ce n'est pas des bienfaits, on refuse l'intégralité de cette colonisation parce que la population refusait cette colonisation. La population... Exactement. Alors, on va revenir là-dessus. Aliou, vous avez ajouté, qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous n'étiez pas encore né quand il y a eu ces crimes crapuleux. Et on vous voit vraiment au front, vous voulez défendre l'injustice qui a été faite en 1961 déjà. Donc, il n'y a même pas une idée que vous serez né. Allez-y. Oui, j'ajoute que même mon père n'était pas né à l'époque. Oh mon Dieu. Donc, en fait, le fond de cette affaire, c'est que ça me rappelle à chaque fois qu'on m'évoque la mort de Lumumba. C'est un texte que j'ai lu il y a quelques années.
C'est un texte de Frantz Fanon, c'est-à-dire qu'à la mort de Lumumba, il produit un texte. Et dans ce texte, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est il dit de Lumumba que c'était un vendu, mais qu'il est vendu à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'est plus corruptible, c'est-à-dire que l'avenir de l'Afrique est plus important que l'argent. Et ce genre d'homme, avec un grand H évidemment, ont existé tout au long de l'histoire africaine, avant la colonisation, pendant et après celle-ci, et toujours aujourd'hui. Et c'est dans la longue lignée de ces personnes-là que nous voulons nous inscrire, nous au collectif, et Intal également. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de perpétuer un combat, comme l'a dit Isabelle. Et je rappelle que Lumumba lui-même, et Okito pareil, et Mpolo pareil, dans leur production politique, autant en termes de texte, mais aussi en termes d'action politique concrète, il y avait toujours cette idée de la transmission et de la nécessité de transmettre. Et donc, ils ont réussi quelque part. Je dis souvent qu'ils n'ont pas demandé à être martyrs et personne, aucun martyr n'a demandé à être un martyr. Et donc, l'idée fondamentale pour nous, c'est de perpétuer un combat. Alors, je voudrais revenir à cette question. Vous répondez, oui. Et puis Isabelle revient aussi. Vous n'avez pas constaté que depuis qu'on célèbre la mort de ces martyrs, on parle plus de Lumumba et les deux autres sont à l'oubliette? Pourquoi? Effectivement, raison pour laquelle notre événement de demain, on insiste d'abord surtout sur les noms de Okito et Mpolo, avant d'en arriver à Lumumba. Lumumba est assez connu aujourd'hui et de toute façon il doit continuer à être connu, mais il est important aussi de mettre en lumière qui a été Joseph Okito et qui ont été Maurice Mpolo. Je rappelle qu'ils ont été tous les deux assassinés parce que l'un a été pressenti pour être le nouveau chef d'état-major à la place donc du traître Mobutu, et l'autre était pressenti pour être le nouveau chef du parlement. Et donc, éliminer les trois ensemble, c'était veiller à ce qu'il n'y ait pas de continuité. Mais comme l'a dit Isabelle, c'est qu'on ne tue pas une lutte. On peut tuer des révolutionnaires, mais on ne tue pas la révolution. Et donc, Pierre Moulélé, par la suite, prend le combat et le manifeste d'une autre façon. Ça va être la même chose ensuite pour Kabila Père. Et c'est la même chose aujourd'hui pour un certain nombre de lumumbistes de par le monde, pas seulement au Congo. Et donc, c'est dans cette longue lignée-là que nous nous inscrivons aujourd'hui. Et c'est dans cette logique aussi que demain, nous allons commémorer l'assassinat crapuleux, comme vous le dites, de ces trois personnes hyper importantes dans l'histoire des luttes africaines. Et du monde aussi. Alors, Isabelle, qu'est-ce que vous ajoutez là? Puisque oui. On parle plus de Lumumba et on oublie qu'il y a les deux autres aussi qui ont été lâchement assassinés, injustement tués. Mais effectivement, on parle beaucoup de Lumumba et c'est vrai que Lumumba maintenant est bien connu et il doit le rester. Mais Okito et Mpolo, comme l'a dit aussi Aliou, donc. Ils ont été aussi tués dans des conditions atroces avec Lumumba. Il y a eux, mais alors il y a aussi, et je pense que c'est important aussi de le préciser, c'est qu'il y a toute une population derrière, tout un mouvement en lutte. Donc Lumumba Okito Mpolo incarnait un mouvement d'une population qui refusait une domination. Et donc ce sont des héros, mais qui portent le message d'une population, de la majorité de la population congolaise. Et donc, à l'heure actuelle, on entend des attaques vis-à-vis de Lumumba et autres. En fait, ce sont des attaques vis-à-vis de la population congolaise. Et ça, c'est important de le préciser. C'est des attaques contre la majorité de la population qui refusait donc cette colonisation. Et on doit porter ce message en parlant de ces héros et en parlant de ce que voulait la population à l'époque. Et donc, demain, quand on organise cet événement, on rend hommage à ces personnes, mais on rend hommage en fait à toute une lutte de la population congolaise, mais au-delà de ça, à toute une lutte en Afrique pour l'indépendance des pays africains. On va revenir sur la manifestation un peu plus tard. Alors, pour l'instant, revenons à ces triples meurtres de ces hommes d'État dans la toute jeune République du Congo fraîchement indépendante. Selon certains observateurs, ces meurtres s'inscrivaient dans la droite ligne de la guerre froide, d'une part,
et d'autre part, de montrer la présence de la Belgique dans le précaré que le Congo. Pensez-vous que cette affirmation est vérifiable et fondée? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que dans le colonialisme en tant que tel, il y a toujours la production du discours officiel et il y a toujours les intérêts qui se cachent véritablement derrière. Alors, dire de Lumumba qu'il est communiste dans un contexte de guerre froide, c'est l'inscrire dans une certaine logique et l'inscrire en ennemi d'un certain camp. Et donc, il faut s'intéresser à d'où vient ce discours, il faut s'intéresser à qui le propage pour connaître véritablement la vérité. Et aujourd'hui, l'histoire permet toujours, le temps fait toujours remonter la vérité à la surface. L'un des criminels qui est impliqué dans l'assassinat de Patrice Lumumba, qui est Étienne d'Avignon, dans son livre de mémoire, il dit clairement que Lumumba n'était pas communiste. Je rappelle que c'est parce qu'on l'a taxé de communiste qu'on a manigancé derrière lui les États-Unis, etc., etc. Et donc, il est important aujourd'hui de rappeler qu'effectivement, si Lumumba n'était pas communiste, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des sympathies pour des mouvements de gauche de par le monde, qui le soutenaient d'ailleurs pour certains. Mais donc, le fondement de l'affaire, c'est de savoir d'où vient l'accusation et à qui sert l'accusation. L'accusation surtout. Lumumba était un profond panafricain, et je pense que c'est ça qu'il est important de retenir, c'est que, comme Isabelle l'a dit, il portait la lutte d'un peuple, pas seulement le peuple congolais, il portait la lutte du peuple africain en général pour sortir de cet impérialisme, pour sortir de ce colonialisme qui était clairement contre l'intérêt et de Lumumba et des peuples africains. Et donc, l'important... C'est la question que vous vous êtes posée vous-même. D'où vient l'accusation et pourquoi cette accusation? L'accusation, il faut voir qui a intérêt à accuser Lumumba d'être un diable, d'être un communiste, etc. Si ce n'est les puissances qui ont des intérêts bien précis dans le Congo de l'époque et toujours maintenant aujourd'hui, que sont les États-Unis, que sont le FBI a manigancé excellemment bien dans cette affaire. Et ce n'est pas une première. Le FBI lance des réputations sur des gens depuis belle lurette. Bien après la mort de Lumumba, on se rappelle de cette opposition entre Luther King et Martin et et Malcolm X, qui est complètement manipulée par Edgar Hoover, le président du FBI à l'époque, et qui malheureusement persiste de nos jours, ce qui fait que beaucoup de personnes, même dans l'analyse, même dans les milieux militants, on observe que des gens opposent les deux alors qu'ils ne sont absolument pas opposés et qu'ils se rejoignent même d'une certaine façon. Et donc, il faut faire attention à cette production du discours officiel et comment est-ce que ensuite ça impacte les mouvements progressistes et ça impacte certains historiens, malheureusement, dans leur analyse faussée de l'histoire. C'est ça. Isabelle ? Donc, il y a d'abord cet aspect de manipulation dans l'histoire qui est racontée, sur laquelle je voudrais revenir. Et puis, deuxièmement, sur l'histoire qui s'est produite. Alors, sur l'aspect de la manipulation du discours, effectivement, on retrouve ça encore actuellement, c'est-à-dire des formulations simplistes et de taxer des personnes qui réclament une justice, qui réclament l'égalité, en les rangeant dans un cadre qui va alors permettre de diviser la population sur cette lutte pour la justice. Et ça, c'est très facile pour ceux qui veulent dominer. Et donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'effectivement, Lumumba n'était pas un communiste, Lumumba était un africaniste. C'était quelqu'un qui voulait l'indépendance du Congo et l'indépendance des autres pays d'Afrique. Alors, deuxième chose, c'est que quand on regarde l'histoire pour arriver à l'indépendance du Congo, on a tout un mouvement en Afrique qui a commencé. Donc, on a eu aussi avec Kwame Nkrumah au Ghana, qui était africaniste et que Lumumba a rencontré à plusieurs reprises. Et donc, la lutte de Lumumba, c'était une lutte qui s'inscrivait dans une longue en Afrique qui voulait l'indépendance. Et pour cela, il avait des sympathies, il avait des alliés, etc., comme toute personne, comme tout État, tout mouvement peut avoir des alliés. Et effectivement, donc ça s'inscrit d'abord, enfin, s'inscrit dans ce mouvement d'une population qui en Afrique voulait l'ango. Alors, de là, donc, ce discours qui est un discours qui manipule et qui permet alors d'enfermer
dans le fait de diviser la population qui entend ça, qui entend et qui alors peut se dire, tiens, alors finalement, commence à avoir des doutes sur la lutte pour l'indépendance, bien, ça enferme, alors que le mouvement décolonial de l'époque en Afrique était un mouvement qui réclamait la souveraineté économique et politique des États africains. Correct. Alors, nous continuons. Les trois victimes n'ont jamais été inhumées, ça vous le savez, comme il se doit, et ce, au regard de leur rang. Ça, vous êtes informés. Il y a plusieurs thèses qui circulent, notamment, les corps ont été découpés à la ponçonneuse et dissous dans l'acide sulfurique, et ensuite ont été brûlés. Il y a aussi qui disent que ce corps ont été jetés dans le fleuve. Pour le premier ministre Lumumba, il a été exposé, et certains mercenaires à l'époque détiennent des restes de ses victimes. On parle également de la dent, ça c'est connu de tous, la dent de Lumumba, avec quelqu'un qui a exposé ça. Est-ce que vos organisations respectives ont effectué des recherches sur ces questions? Donc, pour ce qui est du collectif, effectivement, nous, on a investigué à notre façon. Je ne vais pas révéler les détails ici, mais en tout cas, l'affaire des dents vient du fait que c'est un peu, comment dire, un contexte qui fait que cette dent ressort à la surface. C'est dans les années 99, avec la publication du livre de Ludo de Wit qui met fin, en tout cas qui permet de remettre en question la thèse officielle sur l'assassinat de Patrice Lumumba, puisque la thèse officielle en Belgique, jusque 1999 à peu près, c'était encore que alors, c'était une affaire, c'est ça, 99, c'était que Lumumba, Okito Mpolo, c'était un assassinat, les criminels en question étaient des Noirs, tous, il n'y avait pas d'implication externe au Congo. Le fait est que le livre permet justement de responsabiliser les États qui avaient des intérêts bien précis à l'époque, que sont les États-Unis, que sont la France, que sont la Belgique. Et donc, dans une certaine mesure, ce qui s'est passé par la suite, c'est que, vu l'ampleur que ça a pris, vu l'ampleur de la publication, les médias internationaux ont commencé à s'intéresser à cette question. Et donc, à partir de ce moment-là, Gérard Souteux, qui est l'un des deux gendarmes donc, en charge de découper les corps et de les plonger dans de l'acide, va être interviewé par un média allemand, et c'est à cette occasion qu'il va leur révéler qu'il a une dent, et il va montrer cette dent. D'ailleurs, il dira que ce qu'il retient de Patrice Lumumba, c'est qu'il avait une très belle dentition. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment que l'affaire fait polémique. On est en 2000 cette fois-ci. Ludo de Wit, toujours, va aller porter plainte pour recel d'une partie de cadavre, et les dents vont disparaître mystérieusement. Gérard Souteux va mentir en disant qu'il a jeté la dent dans la mer du Nord. Ça va rester la version officielle jusqu'en 2016 à peu près. Entre-temps, Souteux est décédé. Et cette fois, c'est la fille de Souteux, qui s'appelle Godlieve Souteux, qui va, elle, dans une interview qu'elle accorde cette fois-ci à un magazine flamand qui s'appelle Humo, on va lui demander simplement qu'est-ce que son père lui a légué, et elle va se lever, aller chercher dans un tiroir une boîte avec la dent de Patrice Lumumba. Et donc c'est à cette occasion-là que la dent a refait encore surface, et que Ludo de Wit de nouveau a porté plainte, et la police flamande a été perquisitionnée au domicile de Godlieve, et depuis cette dent se trouve dans le palais de justice. Alors, il n'y a pas que la dent, parce que il faut aussi préciser une chose, c'est que le discours officiel du 30 juin se trouve ici en Belgique. Le discours original que Patrice Lumumba a fait, le papier original sur lequel il a mis des annotations, le papier qu'il tenait pendant le discours le 30 juin dans la salle, a été volé ce jour-là et a été ramené ici en Belgique. Et ce discours, ce papier officiel, se trouve toujours dans les archives de la BNP Paribas Fortis aujourd'hui, qui est l'une des filles de la Société Générale. Et donc, il est important aussi, ça c'est une pièce qui n'appartient pas à la Belgique, tout comme la dent, qui doivent impérativement être restituées au peuple congolais. Et permettre peut-être, une inhumation de ces personnes. Pour ce qui est d'Okito Mpolo, on ne sait pas
s'il y a des restes qui traînent ici en Belgique et qui doivent rentrer, pour l'instant en tout cas. Bon, comme Aliou l'a rappelé, donc il y a eu le travail de Ludo de Witt qui permet alors d'apporter au sein du grand public des informations sur ce qui s'est passé et donc sur les restes de Lumumba. Et ça a permis de faire connaître alors les événements. Et donc avec INTAL, nous avons notamment lors des 50 ans de l'indépendance mis en avant le livre de Ludo de Witt et donc informer les gens sur ce qui s'est passé. Alors, que ce soit pour Lumumba, mais aussi pour Okito et Mpolo, on est dans une situation finalement qui est complètement un non-sens. C'est une honte, je dirais même, c'est une honte pour un pays comme la Belgique, d'avoir une attitude telle qu'elle a eue et telle qu'elle a encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'avoir des restes humains qui sont ici en Belgique et dont elle ne prend pas elle-même déjà l'initiative de les restituer. Non seulement elle ne prend pas l'initiative, mais non seulement, et ça c'est ce qu'on dit avec Intel, non seulement elle ne reconnaît pas sa responsabilité et elle n'entame pas non plus des démarches où elle s'excuse vis-à-vis de la famille de Lumumba, mais aussi de Okito et de Mpolo. Elle n'entame pas cette démarche, elle pourrait organiser aussi une sorte de cérémonie qui viendrait à rendre hommage à ces héros. Donc, nous, ce que nous demandons avec INTAL, c'est ça, c'est aussi organiser ça, prendre l'initiative et organiser aussi une cérémonie et reconnaître sa responsabilité. Alors, donc voilà, ça, c'est pour nous important avec INTAL, la responsabilité de l'État belge. Donc, 60 ans après, la Belgique annonce qu'elle va restituer les restes du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Pour le Congo, l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi, a également annoncé les obsèques officielles prévues le 30 juin prochain. Est-ce qu'il revient à l'État congolais et ou à la famille Lumumba de se rendre en Belgique pour récupérer les restes de Lumumba? Je pense qu'il est nécessaire d'abord dénoncer une chose, c'est que la manière dont ça a été annoncé est tout à fait catastrophique, est tout à fait inacceptable aussi, parce que on ne parle pas de n'importe quelle personne, on parle quand même d'un premier ministre élu démocratiquement qui est assassiné en complicité de la Belgique. La Belgique a reconnu au travers du travail de la commission parlementaire en 2001, qu'effectivement elle avait des responsabilités, bien que morales, l'a-t-elle elle-même qualifiée, dans l'assassinat du Premier ministre. Et donc on sait que la dent se trouve ici, on sait que la dent est dans le palais de justice, et on annonce simplement par la presse, les moyens de la presse, non, la famille l'apprend comme ça. Je vais venir à la question, mais juste préciser une chose, c'est que la manière dont ça a été fait est tout à fait inacceptable. On ne demande pas à la famille d'un Premier ministre de venir récupérer au greffe la dent de leur père et de leur grand-père. Mais ce n'est pas normal. Personne ne fait ça. C'est un manque de respect assez incroyable. Mais bon, on est en Belgique, il y a des choses assez surréalistes qui se passent dans ce pays. La question que vous me posez sur... est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est le gouvernement congolais qui doit le faire? Je pense que les deux doivent se mettre ensemble pour venir. Il y a moyen que le gouvernement congolais et la famille se mettent ensemble pour venir ici reprendre la dent et que la Belgique redonne dans les règles la dent de Patrice Lumumba au gouvernement congolais et à la famille. Ils doivent prendre ça en charge, donc le mouvement des gens qui feront aller-retour. Il est nécessaire que le gouvernement congolais se mette en lien avec la famille pour venir récupérer la dent, ou en tout cas que la Belgique rapporte la dent. Je pense même que ce serait mieux. Alors, d'une part, l'État congolais en tant qu'État a effectivement un rôle important à jouer.
Donc, l'assassinat de Lumumba et d'Oppito Mpolo, c'est l'assassinat d'hommes qui luttaient pour l'indépendance d'un pays. Donc, maintenant, en tant qu'État, effectivement, l'État a son rôle à jouer de réclamer, et donc d'organiser un hommage pour lors de cette restitution. Ensuite, la famille, effectivement, il doit pouvoir avoir entre l'État congolais et la famille une collaboration, en tout cas une alliance commune là-dessus. C'est le rôle de l'État doit être aussi, de l'État congolais doit être aussi de soutenir la famille pour cette restitution des restes humains. Ensuite, je voulais quand même revenir sur ce que vous avez dit. La Belgique a accepté cette restitution. Si la Belgique accepte, c'est sous la pression de la famille et c'est sous la pression des mouvements décoloniaux. La Belgique ne s'est pas elle-même réveillée un jour en disant, enfin, quand je parle à Belgique, je parle des différents gouvernements belges et du gouvernement actuel, ne s'est pas réveillée un jour en disant nous allons rendre. Donc, c'est par la pression que la Belgique accepte et donc c'est par des mouvements et la famille qui a mis la pression à cette restitution. Ceci nous amène à aborder la question de l'impunité. En 2004, la Belgique avait institué une commission parlementaire sur l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Il y a eu des conclusions et bientôt, 2 décennies après, rien n'a été fait s'agissant des recommandations. Pire encore, il y a des survivants parmi les présumés supposés commanditaires et auteurs de ces crimes crapuleux. Ne pensez-vous pas que ces derniers doivent être appelés pour enfin dire la vérité, pour que les familles des victimes puissent faire définitivement leur deuil? Il y a un procès hein, qui en. Enfin, la famille a porté plainte en 2016 contre 10 personnes. Et ces 10 personnes, parmi elles, se trouvent effectivement de vieux monsieur qui ont encore pignon sur rue ici à Bruxelles. Certains sont présidents de théâtre, certains sont présidents d'institutions culturelles très importantes. Et. En fait, ce qu'on assiste là, c'est la récompense du colonisateur après sa carrière coloniale. Et ça, c'est un schéma qui est systémique dans le système colonial et qui est perpétué par la suite. C'est-à-dire que ceux qui ont fait carrière au Congo, au service de l'État belge, qui ont rendu donc des services au travers, par exemple ici, de l'assassinat de leaders, de l'élimination politique et physique, de leaders, congolais, sont ensuite ramenés en Belgique et servent dans de belles institutions où ils gagnent tranquillement leur argent et ils font régulièrement des passages dans les médias et se présentent aux yeux de tout le monde comme les sages. Et donc ce schéma-là est récurrent dans le système colonial et c'est un peu à ça qu'on assiste aujourd'hui. Effectivement, ces personnes ne sont aucunement inquiétées, en tout cas pas par la justice. Si ce n'est par les mouvements décoloniaux, et leur mobilisation et leurs actions au quotidien, ces personnes ne verraient aucun obstacle à leur vie, bourgeoise dans notre société. Et donc, c'est aussi là notre rôle en tant que mouvement militant, c'est, de veiller à ce qu'on n'oublie pas la responsabilité individuelle de ces personnes et les crimes auxquels ils ont participé, à l'époque. Et qu'ils continuent aujourd'hui toujours de nier au travers de leurs écrits, au travers de leurs comportements, etc., etc. En ce compris le fameux Étienne Davignon, qui est aujourd'hui dans le conseil d'administration, qui est même président du conseil d'administration du Beaux-Arts, était clairement impliqué dans l'assassinat. Je pense aussi à Jacques Brassine de la Bussière, qui est président du Théâtre Poche, qui lui a fait d'ailleurs la thèse officielle, puisque sa thèse portait sur l'assassinat de Patrice Lumumba, une thèse qu'il a défendue à l'ULB en 91, qui a obtenu la plus grande distinction, thèse qui disait donc c'est une affaire entre nègres, hein, la Belgique n'a rien à voir dedans, c'est Moïse Tshombe, c'est Mobutu, ils se sont entendus, ils ont éliminé Lumumba, Okito Impolo.
Et donc, nous, on n'a rien à voir dedans. On était de simples observateurs. D'ailleurs, il l'écrit comme ça, d'ailleurs. De simples observateurs dans cette affaire. Et ces personnes sont encore là. Ils tiennent toujours les mêmes thèses. Et ne sont nullement inquiétés par la justice. Bien que l'affaire soit en justice depuis de nombreuses années, elle traîne parce qu'ils sont protégés, il faut le dire. L'État négrier protège les criminels qui ont servi dans des crimes contre les Noirs et donc et contre l'Afrique en général. Et donc, dans cette perspective-là, nous sommes entrés en résistance aussi contre cette dynamique raciste, il faut le dire, qui maintient l'impunité. Et ça fait le lien avec l'actualité, avec les violences policières, etc. Comment est-ce qu'on continue toujours ? C'est-à-dire que la vie de certaines personnes ne compte pas. Faut-il amener ces gens en justice pour... Parce que la vérité doit être connue. La vérité est connue et on veille à ce qu'elle soit connue. Maintenant, elle doit être un maximum vulgarisée. Et en tout cas, on sait la vérité aujourd'hui. D'autres vérités restent à sortir, évidemment. Mais la vérité en concernant les crimes qui ont amené à la mort de Patrice Lumumba et les deux autres sont largement connus. Ok, alors Isabelle, qu'est-ce que vous avez ajouté ? Alors, il y a deux aspects dans la justice. Il y a d'abord la vérité judiciaire, donc la vérité qui sera dite par les tribunaux et qui n'ont pas encore été dit en Belgique. Et puis, il y a la vérité des faits, la vérité qui a été démontrée par des historiens et que les faits le montrent que, effectivement, des personnes ici encore vivantes en Belgique sont responsables de l'assassinat de Lumumba. Alors, sur la vérité judiciaire, comme l'a dit Alou, il y a une plainte qui a été déposée par la famille. Là, si je ne me trompe pas, la plainte a été déposée déjà en 2011, donc ça fait plus de 10 ans qu'elle est en cours. Ça veut dire que c'est énorme. Quand elle a été déposée en 2011, elle a été déposée contre 10 personnes. Actuellement, sur ces 10 personnes, il reste 2 personnes encore vivantes. Et parmi ces 2 personnes, on a Étienne d'Avignon, qui est un homme qui a été envoyé au Congo pour combattre Lumumba et l'opposition à l'indépendance, et pour combattre ceux qui voulaient l'indépendance, qui a joué un rôle énorme dans son assassinat et qui est donc actuellement poursuivi en justice, et je reprends les termes, Étienne d'Avignon est poursuivi pour crime de guerre et pour traitement inhumain et dégradant à l'égard de Patrice Lumumba. C'est un homme qui, à l'heure actuelle, est président des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, c'est une grande institution culturelle belge qui se veut ouvert sur le monde, ouvert sur le côté multiculturel, qui se veut une vitrine. Or, on a à la tête d'une grande institution culturelle belge, et c'est là qu'on peut s'indigner complètement, comment un homme qui est poursuivi en justice et dont la vérité des faits aussi, au-delà de la justice, la vérité des faits montre aussi sa participation, puisse être à la tête d'une grande institution culturelle et qui puisse être également invité sur des plateaux télévisés pour défendre la colonisation. Il est invité aussi dans la presse écrite, mais aussi dans la presse à la télévision, disant que la colonisation a apporté des bienfaits. Et donc, on voit que des hommes comme ça, qui ont joué, dont les faits le montrent, et qui sont également poursuivis en justice, ont, à l'heure actuelle, des postes importants. Des postes aussi dans des sociétés, des grosses sociétés, conseils d'administration, d'autres sociétés également multinationales belges. Et donc, on voit qu'il y a cet aspect vraiment intouchable de ces hommes. Et donc, nous, en tant que mouvement, on a, en mouvement pour la décolonisation, on a un rôle important à jouer, et pas que les mouvements, mais la population a un rôle important à jouer pour dénoncer cela, pour expliquer cela. Parce que finalement, je pense que peu de gens savent que des personnes comme Étienne d'Avignon sont à la tête de grandes institutions culturelles et qu'ils ont alors participé à l'assassinat de Lumumba. Donc, on doit en parler, on doit l'expliquer, on doit le mettre en avant, et on doit aussi, alors, ça fait partie de la décolonisation, puisque le racisme est bien ancré en Belgique. Il est effectivement bien ancré dans les institutions. Il est ancré également par le fait que des personnes comme ça soient à la tête de grandes institutions culturelles, par le fait que des musées mettent en avant et propagent encore l'idée coloniale, par le fait que des noms de rues rendent encore hommage à ceux qui ont participé à la colonisation. Et donc, on a un rôle à jouer. Et donc, en tant qu'Intel, notamment, nous, on lance cette campagne qu'on a intitulée « Décolonise Beaux-Arts »,
cette décolonisation des arts et de la culture, qui vise non seulement à dire d'Avignon doit démissionner de son poste, qui vise aussi à dire que le gouvernement belge doit s'expliquer pourquoi de tels hommes puissent être à la tête de grandes institutions culturelles. Ça, c'est aussi où on en est encore à l'heure actuelle. Et d'autre part aussi, c'est que la décolonisation des arts et de la culture, c'est aussi d'avoir à la tête d'institutions culturelles des personnes qui ne défendent pas la colonisation, des personnes qui ne défendent pas un discours dominant, un discours d'un système qui exploite les gens et des personnes qui sont alors ouvertes sur le monde et qui représentent, qui remettent en question ce système et qui mettent en valeur la culture populaire, la culture des gens, qui mettent en valeur le combat pour la justice, puisque la culture, c'est quelque chose qui est là aussi pour toucher, pour sensibiliser et pour apprendre à la population quelque chose. C'est la culture, elle est là pour éduquer, former les gens. Et donc, des personnes qui sont à la tête d'institutions culturelles, et donc des musées et autres, doivent pouvoir alors incarner ce message de la culture populaire et de rendre le discours, de remettre la vérité à sa place. Tout à fait. Alors, nous évoluons. Nous savons tous que ce triple assassinat a bouleversé le monde entier. Les institutions internationales telles que l'ONU, le mouvement des non-alignés, le mouvement des nationalistes africains et le modus operandi a été exporté dans d'autres États africains et d'Amérique latine. Le motif de ces actes aujourd'hui est connu dans le monde. Tout le monde sait que le système capitaliste est néolibéral. Les multinationales et les services d'intelligence de grandes puissances ont toujours été à la manœuvre. La question, pourquoi mettent-ils trop de temps pour déclassifier les archives, car 60 ans, c'est énorme pour le devoir d'une enquête ou des enquêtes? Alors, vous avez parlé de néocolonialisme. Effectivement, la colonisation et le capitalisme sont inséparables. Voilà, la colonisation, c'est une étape dans le système capitaliste. Il y a un moment donné, voilà, d'une histoire, de l'histoire des puissances occidentales, il fallait des matières premières. Donc, la colonisation, elle s'est faite pour ça. Elle ne s'est pas faite, évidemment, pour le bien-être de la population. Elle s'est faite pour aller exploiter, rechercher les matières premières. Alors, pour faire le lien rapidement avec la déclassification des archives, il y a un enjeu maintenant, ce passé, lorsqu'on rétablit la vérité sur ce passé, qui est de dire que la colonisation s'est faite pour exploiter les gens et pour aller chercher les matières premières. À l'heure actuelle, l'enjeu est économique. À l'heure actuelle, si maintenant on rétablit cette vérité et qu'on explique également qu'on est dans un système aussi où les grandes puissances, et dont la Belgique fait partie, recherchent toujours les matières premières de l'Afrique, mais aussi, vous avez parlé de l'Amérique latine, en Amérique latine, donc un pays comme le Venezuela qui a plein de pétrole, un pays comme la Bolivie qui a le lithium, le Congo c'est le cobalt, c'est l'uranium. Donc dans les relations actuelles, ce que cherchent des États comme la Belgique, comme les États-Unis, les grandes puissances, c'est de pouvoir aller chercher ces recherches, ces matières premières pour pouvoir les vendre à des prix plus élevés, donc de pouvoir dominer finalement le monde. Alors, si on déclassifie ces archives, on va trouver des éléments là-dedans, on va trouver des réponses à ce qui se passe aujourd'hui également. Et ça, c'est ce que la Belgique ne veut pas, c'est ce qu'un État comme la Belgique ne veut pas. C'est rétablir une vérité sur le passé qui permet de comprendre les enjeux actuels. Les enjeux actuels, c'est que la Belgique et d'autres puissances veulent maintenir des États comme le Congo et d'autres pays d'Afrique et comme l'Amérique latine dans un État faible, pour permettre à eux d'exploiter et donc faire ressortir la vérité, ça fait peur énormément aux dominants. Mais cela vous appartient à faire pression, n'est-ce pas? Tout à fait, cela nous appartient, on doit faire pression pour déclassifier ces archives, effectivement. C'est un rôle que les mouvements décoloniaux doivent jouer, c'est réclamer cette déclassification des archives, oui. C'est ça. Alors, Aliou, qu'est-ce que vous dites? 60 ans après, on ne veut toujours pas nous dire exactement ce qu'il y a dans les enquêtes. Alors, il y a l'enjeu évidemment de la déclassification des archives, mais il y a surtout aussi un enjeu qui est principal dans cette affaire aussi, c'est l'enjeu de la disparition des archives.
Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a un certain nombre d'archives qui simplement disparaissent. C'est-à-dire qu'aux endroits où elles sont censées être, elles n'y sont plus. Et un certain nombre de personnes se sont livrées à ce jeu ici en Belgique. Nous qui allons souvent dans les archives rechercher des choses, c'est une question à laquelle on est souvent confronté. C'est une problématique qu'on rencontre souvent. Donc il y a tout un ensemble de groupements, d'associations d'anciens coloniaux qui ont des liens avec un certain nombre d'institutions qui veillent aussi à ce que même quand c'est déclassifié, les choses disparaissent et qu'on ne sache pas véritablement la vérité. Parce que, comme Isabelle l'a dit, si la vérité fait surface, et surtout, c'est plus important encore que simplement qu'elle fasse surface, qu'elle soit vulgarisée et que les gens sachent véritablement. Et que les gens puissent se faire une opinion là-dessus. Puisque l'enjeu d'avoir des services secrets qui classifient des archives secrètes, c'est justement que la population, que l'opinion publique ne puisse pas se positionner là-dessus parce que ça devient là le problème de tout le monde. Et donc, il y a cet enjeu-là présent au jour d'aujourd'hui ici en Belgique de vulgariser un maximum. C'est pour ça que nous réclamons depuis notre création en 2012 qu'il y ait l'enseignement de l'histoire générale de l'Afrique, pas simplement de la colonisation, dans les écoles, pour que les gens sachent un maximum ce qui s'est passé. Quelles sont ces sociétés qui ont été détruites? Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Qui en a profité? Qui n'en a pas profité? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est l'humanité des gens qui va s'exprimer ici en Belgique. Et donc, ça veut dire, et les puissances occidentales fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'elles baignent leur population dans la propagande, pour dire après que le rapport qu'elles ont avec d'autres populations, c'est des rapports de pure philanthropie. Mais une fois que cette image est brisée, on en revient en fait au fait que l'Occident a extériorisé sa violence sur les autres. Et sa population n'est souvent pas consciente de ça. Et notre enjeu ici, c'est d'amener à ce que, justement, le maximum de personnes soient conscients des rapports qu'il y a véritablement entre la Belgique et le Congo actuellement. Pourquoi est-ce qu'à Virunga, on assassine des gens? Pourquoi est-ce qu'à l'Est, on assassine des gens? C'est ces enjeux-là qu'il faut faire remonter à la surface, pointer du doigt les familles belges qui profitent de ça, les entreprises belges qui profitent de ça, et les hommes et les femmes politiques aujourd'hui qui sont présents dans les parlements, dans les gouvernements, qui profitent de ces questions. Et donc, faire remonter ça, c'est effectivement braquer, amener la société à se voir la société belge à se voir comme elle est en fait. Et j'en reviens au discours de Césaire dans les années 50. Il disait qu'une société qui se ment à elle-même en fait, qui ferme les yeux sur ses propres problèmes, est une société qui se condamne. Et la Belgique se condamne inévitablement si elle continue comme ça à nier la vérité. Et notre combat, et celui d'Intal également, c'est depuis des années de faire remonter à la surface quelle a véritablement été l'histoire de la colonisation. Et comment est-ce que ça a des impacts au jour d'aujourd'hui? Exactement. Alors, vous avez ajouté, Isabelle, Oui, allez-y. Voilà. La déclassification des archives, hein, ça montre vraiment que ceux qui dominent veulent cacher la vérité aux gens. Et ils le font encore actuellement sur des aspects actuels. Parce que quand on cache la vérité aux gens, ça permet alors de manipuler l'information, ça permet de diviser les gens, puisque les gens se disent « on n'a pas l'information, c'est pas clair ». Et il y a un aspect important quand on regarde à l'heure actuelle sur les relations entre la Belgique et le Congo. Il y a, si je prends un exemple de la coopération développement belge, quand on regarde le site de la coopération développement belge, quand on regarde ce qu'elle publie, elle donne une image d'une coopération qui aide des petits paysans, qui aide des petits pêcheurs, etc., etc. Donc, on aide une population. Quand on cherche plus loin, et il faut les trouver, ces informations, quand on cherche plus loin, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Ce ne sont pas des petits commerçants, ce ne sont pas des petits pêcheurs qui sont financés. Ce sont des grosses multinationales. On a le cas ici de la coopération développement qui finance une multinationale comme George Forest au Congo. Elle finance son centre médical. Sur le site de la coopération, il est indiqué, donc on voit la manipulation de l'information, sur son site de la coopération développement, il est indiqué que c'est un centre médical qui est financé. Si on regarde plus loin, ce centre médical appartient à une grosse société qui est la société Forest. Donc en finançant ce centre médical, la coopération développement permet à Forest d'avoir encore plus de profits pour lui.
Et c'est comme ça pour pas mal de choses. Cherchons les accords qui sont conclus, etc. Ce n'est pas sur les accords commerciaux, ce n'est pas sur accessible au grand public. Donc, il y a tout ce travail de réclamer et d'avoir accès à ces informations qui sont des informations qui cachent à la population ce qui est fait par l'État. Et donc, ça permet encore une fois de diviser les gens. Parce que, un, au Congo et ici pour la diaspora, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas. Et d'autre part, les Belges ou d'autres, même, on pense qu'il y a une aide vis-à-vis du Congo, d'autres pays d'Afrique, quand on regarde ce discours. Donc, ça permet vraiment de diviser, de faire croire, comme ça, et de manipuler l'information et de raconter alors une autre histoire. OK. Grand merci. Alors, nous allons lentement et sûrement vers la fin. Passons maintenant à la cérémonie d'hommage prévue demain, 17 janvier 2021. Jour pour jour où le triple meurtre odieux a été commis. Parlez-nous des programmes et de temps fort de ces manifestations que vous avez envisagées pour demain. Et puis, j'aimerais que vous me disiez aussi qui sont les personnes qui sont conviées. Est-ce qu'à ces cérémonies, il y aura des officiels belges et des officiels congolais? Donc, alors, d'abord préciser que pour l'événement de demain, c'est important que... le collectif et Intel collaborent ensemble. Donc, nous a semblé vraiment important, en tant que deux organisations qui luttent depuis des années pour la décolonisation, de travailler ensemble. Et donc, nous organisons ensemble. Tout d'abord, on commence par un meeting au Square Lumumba, donc à Bruxelles, avec des prises de parole et avec tout d'abord une libation suivie de prises de parole. Par d'autres associations, notamment l'association Bakushinta, mais également par nos différentes organisations, donc c'est-à-dire le collectif et Intal. Nous aurons également des messages avec des calicots et des pancartes pour exprimer aussi de manière bien visible, donc il s'agit bien de crimes odieux et dont la Belgique a la responsabilité. Donc, midi, le rendez-vous au Square Lumumba, jusqu'à 13h30, suivi alors d'une conférence en ligne, étant donné les circonstances avec la crise sanitaire, donc suivi d'une conférence en ligne avec plusieurs intervenants. Alors, comme intervenant, il y aura donc Ludo De Wit, dont on a parlé tout à l'heure, qui a écrit le bouquin donc, sur l'assassinat de Lumumba. Il y aura donc également Michel Bouffiou, journaliste d'investigation, qui va nous parler sur la question de la restitution des restes humains. On aura également Ambroise qui va nous parler de Kalevela. Voilà, c'est ça. Il va nous parler de Pierre Moulélé, comme on a dit tout à l'heure, qui a poursuivi le combat, qui est donc la mise en pratique de la lutte de Lumumba, et qui va nous expliquer c'est quoi le moulélisme. On aura également une militante d'Intal qui s'appelle Brenda Ondimba, et qui viendra alors nous parler, dans ce cadre-là, de la campagne décolonisation des Beaux-Arts. Ok, merci. Alors, nous avons terminé. Cette conférence en ligne commence à 15h, et à 15h, elle se terminera aux alentours de 16h30. Et ça sera en direct Ça sera en direct suivi sur Internet. Et maintenant, je laisse à Liu par rapport aux officiels, notamment. Pour ne pas que l'événement prenne des tournures de récupération politique, on a évité que les hommes et femmes politiques viennent s'exprimer à cet événement. On tient vraiment à ce que ça soit une commémoration, et qu'après, les partis politiques ne s'emparent pas de cette question. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. S'ils veulent venir, ils sont les bienvenus, évidemment. Donc, officiellement, vous ne les avez pas invités? Officiellement, nous, en tout cas, nous n'avons pas envoyé d'invitation à quiconque. Ils ont reçu l'information, je crois, comme tout le monde, via les réseaux sociaux. Maintenant, s'ils veulent être présents, il n'y a pas de souci pour nous. OK, merci. Alors, là, nous tendons vraiment vers la fin. Après cette célébration, que comptent faire vos organisations respectives pour que la dignité et la justice soient rendues
aux trois hommes d'État congolais tués? Nous allons continuer ce que nous avons fait jusqu'ici et nous allons continuer à innover sur ce plan-là. Depuis 2012, nous nous rassemblons ici en Belgique pour mettre à l'agenda politique la question de la décolonisation. Je rappelle qu'en 2012, quand on a été voir le monde politique, les gens nous ont simplement pris de haut, en fait, à l'époque, en nous disant que nous, les Noirs de Belgique, nous étions gentils et que donc, si on parle de décolonisation, ça veut dire qu'on n'est plus gentil, qu'on devient méchant. Et donc, on leur a dit simplement que, OK, ce n'est pas une priorité pour vous, mais en tout cas, nous, on va continuer le combat, on va le perpétuer. Et un jour, c'est peut-être vous qui allez danser derrière nous. Et il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire dans la décolonisation et nous veillerons également à ce que décolonisation garde son sens premier, celui qui a été son moteur dès la base, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme, la fin de l'hégémonie de l'Occident sur le reste du monde et la dignité de nos peuples africains en général. Et donc, au travers de la mobilisation ici en Belgique, au travers d'actions comme celle de demain, mais également de visites guidées, de conférences, formations, etc., etc., nous continuerons à défendre la dignité du peuple africain partout où il est, pour permettre à ce que, justement, nous soyons respectés partout où nous sommes. OK. Intal, qu'est-ce que vous préconisez après Oui, voilà, mais c'est ça, c'est de poursuivre le combat que l'on mène depuis des années, et de quelle manière aussi, c'est, donc, voilà, Intel, c'est un mouvement qui travaille sur le terrain, et comme le collectif, donc, c'est-à-dire qu'on mobilise les gens et on les organise. Donc, nous pouvons changer les choses en nous organisant, en nous mobilisant. Et donc, la poursuite de cela, c'est de continuer à faire connaître le combat de nos trois héros, et aussi de continuer à faire connaître c'était quoi la colonisation et de réclamer alors la décolonisation à différents niveaux. Et pour cela, on va vers les gens, on va les appeler à se mobiliser avec nous, mais aussi organiser des formations en interne, des conférences vis-à-vis de l'extérieur, et puis également faire des appels, des recommandations au niveau politique. Donc, okay. Pour nous, c'est essentiel la mobilisation et l'organisation. C'est ça. Alors, pour boucler la boucle, comme on dit, Madame Minon et Monsieur Bald, en un mot, qu'entendez-vous des Congolais, des Africains, en ce triste anniversaire de triple assassinat ignoble? Je pense que ça doit être un événement de mémoire qui doit servir à rappeler à tout le monde, en tout cas au peuple africain et aux peuples africains en général, qu'il ne faut pas s'endormir, qu'il faut continuer à se battre et que sans la lutte, nous ne serions pas indépendants aujourd'hui, en tout cas d'une certaine façon, nous ne sommes pas encore complètement indépendants et que cette lutte-là, nous devons la continuer. Et la mort de Patrice Lumumba, de Joseph Okito et de Maurice Mpolo, c'est un rappel pour nous que l'impérialisme ne recule devant rien et que même mort, il continue toujours à perpétuer cette domination qu'ils ont exercée sur nous depuis des siècles et qu'ils continuent encore à exercer. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est vraiment que les gens se remémorent d'abord du combat de ces trois personnes, de quelles personnes ils étaient, de quels pères de famille aussi ils étaient, puisque ce sont des personnes qui avaient des familles, ces familles existent encore aujourd'hui. Pour les connaître, pour certaines personnes de ces familles, je sais que c'est des personnes qui, encore aujourd'hui, sont soucieuses du combat que défendaient leur grand-père ou leur père. Et donc, ici, l'essentiel pour nous, en tout cas demain, c'est de permettre à ce que cette commémoration se fasse, qu'on n'oublie pas leur combat et qu'on se dise que demain et après-demain, on continuera toujours dans la même lutte pour la libération des peuples africains. Ok, merci. Isabelle? Oui, voilà. Demain, ça doit être un moment où on se pose et on se remémore et on réfléchit au combat de la lutte qu'a mené Lumumba, Okito et Mpolo. Et en pensant à ce combat, c'est en pensant aussi à ce qu'ils étaient, ce courage, cette loyauté
et qu'effectivement, il luttait contre un impérialisme, comme disait Aliou, qui ne recule pas. Et que donc, aussi, c'est de se dire, voilà, on se remémore ça, et donc maintenant aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une justice, enfin, au Congo et en Afrique, pour qu'il y ait aussi une justice, pour que ce ne soit plus une politique qui soit en faveur des grosses sociétés multinationales, mais qui soit pour la population. Et donc, c'est de se poser en pensant quel rôle on peut jouer aussi là-dedans. Chacun, on doit se poser la question du rôle, parce qu'on a tous un rôle à jouer. On a tous, de nos différentes manières, différentes façons, mais on a un rôle à jouer. Et donc, se dire qu'on a besoin, d'être ensemble, on a besoin de gagner un rapport de force, parce que l'impérialisme ne recule pas et l'impérialisme peut mentir, l'impérialisme peut venir vous écraser. Et donc, plus on est pour lutter contre cela, plus on peut gagner. Et on le voit, le mouvement décolonial a pris de l'ampleur énorme. Donc, les luttes permettent des victoires. Les luttes, on obtient des victoires. Et donc, plus on est, plus on aura des victoires. Alors, il ne me reste plus qu'à dire grand merci. Ce qui est dit est que vous pouvez tuer un homme, mais vous ne pouvez pas tuer tout un peuple, mais vous ne pouvez pas tuer tout un esprit. Donc, l'esprit de Lumumba, de Mpolo, de Kwame Nkrumah, de Sankara et des autres vit encore en vous, jeunes, et vous êtes en train de vous battre pour que cette justice soit faite et que ça ne se répète plus non plus. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement d'avoir accepté notre invitation et espérons vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Merci à vous. Merci à vous. Ok, merci, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Alors, à vous qui nous suivez, nous disons grand merci d'être toujours fidèles à nos émissions. Donc, aujourd'hui, c'était une émission en relation avec les tueries crapuleuses commises par les puissances occidentales contre les hommes d'État congolais, très jeunes qu'ils étaient, pères de famille. Ils ont été tout simplement tués puisqu'ils défendaient la cause de leur terre. Donc, nous vous remercions très sincèrement. Nous vous rappelons que nous étions sur ce plateau avec Aliou Blad et aussi Madame Isabelle Minon. L'émission qui était présentée par Don Kayembe avec la rédaction collaboration de Yves Lodonou de Radio Campus Bruxelles, de Maurice Moutawakiloa Gligli, notre collaborateur en Belgique, et de votre serviteur Don Kayembe. En attendant, nous vous disons ciao et à la prochaine.